En septembre dernier, Michel Drucker entrait à l'hôpital pour se faire opérer du cœur. Si son intervention s'est bien déroulée, une infection post-opératoire a engendré bien des complications et l'animateur a dû être opéré à nouveau. Quelques semaines après cette terrible épreuve, le présentateur révélait qu'il a failli être amputé mais aussi et surtout qu'il a frôlé la mort. Malgré tout, Michel Drucker s'est empressé de reprendre le travail. Ainsi, le 28 mars dernier, il était plus heureux que jamais de reprendre les commandes de son émission phare Vivement Dimanche. Une nouvelle façon pour lui de se confier sur sa maladie, son opération et sa convalescence. Durant l'émission de ce dimanche 18 avril 2021, il est par exemple revenu sur sa fulgurante perte de poids. J'ai traversé une période assez fascinante, vous m'avez gentiment appelé pour me remonter le moral, a débuté Michel Drucker en s'adressant à Jean-Michel Cohen, son invité du jour. J'ai perdu 11 kilos. 11 kilos quand on en pèse 72. C'est considérable. Et quand je me suis vue pour la première fois plus que maigre, une espèce de pantin, j'étais vraiment une espèce de marionnette, j'ai vu ce que c'était la maigreur. Je me suis fait peur. A-t-il ajouté. Michel Drucker signe un nouveau témoignage poignant cette semaine. L'animateur de 78 ans se confie à nouveau, dans les colonnes du magazine Gala cette fois. Le média vient en effet de dévoiler sur Instagram, la couverture de son prochain numéro où il sera possible de retrouver une interview du présentateur. On m'a ouvert et débranché le cœur. Michel Drucker raconte son épreuve et sa renaissance, est-il écrit. Point supérieur à lire aussi. Michel Drucker paralysé du pied est très inquiet. Cette grosse crainte pour son retour à l'antenne. Aliénor de la Fontaine, à lire aussi. Laisse bloc ADS. Why?